Bonsoir, shalom aleichem à tout le monde et Rev Tov. Shana Tova. Voilà un petit ajustement et on va commencer tout de suite. Et Rev Tov, voilà Bezrat Hashem, une nouvelle année pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu. Que vous soyez tous inscrits, qu'on soit tous inscrits dans le livre de la vie. Bezrat Hashem, Gmar Hatzima Tova. Et toujours un plaisir de se retrouver exceptionnellement le mardi soir pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu sur la plateforme Yeshiva Zoom. Et ce soir, nous allons essayer d'étudier un sujet qui touche les Yamim Noraim, Rosh Hashanah, Kippour. Mais c'est un sujet extrêmement important que nous rencontrons, on va dire, au quotidien. Il y a dans les tfilot des Yamim Noraim, de ces jours-ci, de Rosh Hashanah et Kippour essentiellement, de les tfilot de ces jours-ci, nous passons beaucoup de temps depuis Rosh Chodesh Elul avec les Slichot, ensuite Rosh Hashanah, des longues tfilot, notamment Moussaf de Rosh Hashanah, et là nous sommes à la veille, à moins de 24 heures de Yom HaKippourim. En tout cas, vous êtes courageux, courageuses d'être là ce soir, alors qu'il y a beaucoup de choses à préparer pour Kippour. Je vous dis un grand Chazak Ubaruch, et que ça soit un grand mérite, que le mérite du Limoud HaTorah, il soit pour vous, vos familles, vos proches, source de bracha. Ces longues tfilot que nous allons passer, cette journée de tfila, que nous allons passer le jour de Kippour, avec bien sûr Arvit, Shacharit, Moussaf, Mincha, Neila, sans oublier la Kriyat HaTorah et les Haftarot, qui sont d'une extrême importance. Dans toute cette tfilote, il y a tellement, j'ai envie de dire, dans ce bouquet de tfilote, des Yamim Noraim depuis Rosh Chodesh Elul et pendant 40 jours. Bien sûr, après nous avons Sukkot avec les Hoshanot, les Hakafot, jusqu'à Hoshana Rabba Bezrat Hashem. Pardon, Bishuato. Dans ce bouquet de tfilote, il y a tellement, tellement, tellement de tfilote importantes. Déjà, comme je l'ai rappelé, les tfilot en elles-mêmes, les slichot, les vayahavor, le vidouille, les zichronot, malchouyot, malchouyot, zichronot, shofarot. Il y a tellement, tellement, tellement de tfilot. C'est plus qu'un bouquet, c'est un chant de tfilot, un chant, un sadé. Dans ce chant, nous chantons. Et il y a, je voudrais parler avec vous d'une phrase, une petite phrase inscrit dans les tfilot de Rosh Hashanah et Kippour. Et cette tfila, en vérité, c'est une tfila pour toute l'année. Toutes les tfilot, certes, de Rosh Hashanah et Kippour sont pour toute l'année, mais il y en a une particulière qui a attiré mon attention depuis quelques années. Pardon, j'essaie de la retrouver dans le Sidour, mais j'ai décidé de la partager avec vous, Be'ezrat Hashem, cette année, que j'essaye de retrouver, voilà. Dans les tfilot des Yamim Noraim, nous disons la chose suivante. Aussi bien, encore une fois, Rosh Hashanah qu'à Kippour. Là, j'ai le marzor de Yom HaKippourim entre les mains. Et après, Ya'aleh ve'avo, vous verrez dans la Amida, Elokeinu ve'Elokei Avotenu. Hashem, notre Dieu, le Dieu de nos pères, Meloch al kol ha'olam kulo bichvodach, règne sur le monde entier, sur tout le monde, kol ha'olam kulo bichvodach. Une malchut d'Akadosh Baruch Hu, un royaume de kavod, d'honneur, de splendeur. Ve'inase al kol ha'aretz mikarach. Littéralement, et élève-toi sur toute la terre de toute ta valeur, ta glorification. Veofa bahadar geon uzach, et manifeste-toi dans la splendeur du génie de ta puissance sur tous les habitants de la planète al kol yoshve tevel al chzach. Veyeda kol paul ki ata pealto, et chaque paul, c'est-à-dire chaque être, chaque élément de la création, prenne conscience que tu es toi le maître d'œuvre, tu es son maître d'œuvre. Veyavin kol yetzur, et que comprenne chaque créature
qui a taillé Tsarto, que c'est toi, Kadosh Baruch Hu, que tu l'as façonné, que tu l'as créé. Veyomar kol asher neshama be'apo. Et que dise tout celui qui a de la neshama en lui, qu'il dise Hashem Eloke Israël Malach, que le Dieu d'Israël règne ou Malchuto Bakol Mashala. Voilà cette phrase qui a retenu mon attention, que je voudrais étudier avec vous. Veyomar kol asher neshama be'apo. C'est incroyable. Rosh Hashanah, nous parlons essentiellement de la malchoute d'Akadosh Baou, de la royauté d'Hachem. Cette royauté dont nous espérons, nous prions de la voir dans tout son kavod, dans tout son honneur. Tout ce que nous avons dit dans les prières de Rosh Hashanah et tout ce que nous dirons dans les prières, les tfilot, les vidouyim, les slichot du jour de Kippour doivent émaner de notre neshama. Les Yamim Noraim sont les prières, l'expression des tfilot de notre Neshama. Incroyable. Ça veut dire que tout Rosh Hashanah et Kippour, tout ce que représente les Yamim Noraim, est basé, fondé, émane de notre Neshama. Veyomar kol asher neshama be'apo. Nous avons une neshama. On a l'habitude de traduire la neshama par l'âme. Qu'est-ce que c'est que la neshama? C'est un sujet immense. Ce soir, nous allons effleurer le sujet. Nous serons à la vitrine du sujet, tellement il est important, riche, majeur, fondamental. Tout notre Rosh Hashanah, et nous sommes à moins de 24 heures de Kippour, si on n'a pas pris conscience de notre neshama, alors le pardon, la tchouva, le service du Kohen Gadol le jour de Kippour, et ainsi de suite, manque de quelque chose. Rosh Hashanah et Kippour sont basés, bâtis sur la Neshama. Veyomar kol asher Neshama be'apo. Qu'est-ce que c'est que la Neshama? Qu'est-ce que c'est que cette Neshama? Pourquoi tout vient de la Neshama? Sans la Neshama, pourquoi la malchoute que je voulais rajouter, j'ai pas eu le temps de lire la question, si vous pouvez la renvoyer. Qu'est-ce que ça veut dire que la malchoute d'Hachem vient de notre Neshama? Le pardon de Kippour, la tchouva, et ainsi de suite, tout ce programme immense et riche, et rajouté pendant les Yamim Noraim, et pas tout le temps. Nous allons y arriver tout de suite. C'est une très bonne question, mais qui n'est pas juste, vous allez voir pourquoi. Pour demander le pardon, pour obtenir le pardon de Kippour, l'accapara de Kippour, ce qu'on demande à Kadosh Baruch Hu est l'expression, la parole de notre Neshama. D'ailleurs, on connaît, on l'a déjà dit, tout le monde le sait, Vayipach be'apav nishmat ruach haim. Lorsque dans Bereshit, il est dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a insufflé en l'homme une neshama. Le Onkelos traduit par Ruach Memalela, la faculté de la parole. C'est, on doit parler de notre neshama. Tout notre parler de notre vie doit être le discours, le verbe de la neshama. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, vous demandez pourquoi on ne parle pas de la neshama toute l'année? C'est une bonne question, mais vous allez voir qu'elle n'est pas juste. Pourquoi? Parce que nous commençons la journée par une tfila. Modé ani lefanecha melech chai vekayam. She'echezartabi nishmati bechemla rabba emunatecha. La femme dira « Moda, Annie », au féminin. Donc je suis reconnaissant, moi, devant toi, le roi. On parle, dès le lever, d'Akadosh Baruch Hu. On parle à Akadosh Baruch Hu en tant que Meler. Donc la malchoute, déjà, elle n'est pas réservée à Rosh Hashanah. Tous les matins, nous ouvrons notre journée par la malchoute d'Hachem.
et nous lui sommes reconnaissants. Notre reconnaissance, ce n'est pas qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a donné la vie. Ce n'est pas qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a réveillés. Ce n'est pas qu'on a passé une bonne nuit, qu'on a bien dormi au chaud. Nous remercions, on ouvre la journée en remerciant Akadosh Baruch Hu qu'il nous a rendu notre âme, notre neshama. Premier passage de tous les jours où nous parlons de ma neshama, c'est incroyable. Cher Zartabi Nishmati, il y a des gens qui auraient bien aimé avoir la neshama d'un autre. C'est comme ça qu'on ouvre notre journée. On continue. Elokai neshama shenatata biteora. Mon Dieu, Elokai. Si au début c'était Melech, là c'est Elokim et Elokai. Mon Dieu. On dit deux fois dans la Tfila Elokai, une fois dans Elokai neshama, une fois à la fin de la Amida Elokai netzor leshoni. Hachem, il est à toi, il est à moi. Il y a Elokenu, il y a Elokim, impersonnel, il y a Elokenu, notre Dieu, et Elokai, mon Dieu. Neshama shenatata biteora. Une deuxième, le premier, ce n'est pas une bracha, c'est une louange, là, c'est une bracha réservée, c'est la bracha de la Neshama. Cette neshama que tu m'as donnée, elle est pure, Théora. C'est toi qui l'a créée, qui l'a façonnée, c'est toi qui l'a insufflée en moi et qui la garde en moi. Ve'ata atidlitela mimeni et tu me la reprendras, ou l'achzirabi le'atidlavo et tu me la rendras à triatabetim, à la résurrection des morts. Mais tout le temps que la neshama, elle est bekirbi en moi, alors on répète, modé ou moda pour les femmes, ani lefanecha, Hachem elokai veloke avotai. Hachem, je te suis reconnaissant, maître de toutes les œuvres, ribon kol amasim, adon kol aneshamot. Hachem, il est le maître de toutes les âmes. Baruch ata Hachem amachazir, qu'il rend, qu'il restitue neshamot. Les âmes, lifgarim metim, à des corps inanimés de vie. Donc notre journée quotidienne, que ce soit Shabbat, la semaine, Rosh Chodesh, Kippour, Rosh Hashanah, Sukkot, Hanouka, Purim, tout le temps. Il n'y a pas un jour de l'année où nous ne parlons pas de notre Neshama dès le début de notre journée et pour deux fois. C'est en soi une question, pourquoi il y a deux passages de la Neshama? Comme fait remarquer le Rav Feuchtunger dans son livre génial, Soulam Sherosho Magia Shamaima, vient ensuite, il explique, vient ensuite les psukés des Zimra de Baruch Sheamar jusqu'à Yishtabach, et le summum, c'est pour arriver au fameux Halleluka Hallelu El Bekotcho Alu Mirkiauzo, Kol Aneshama Te Halleluka Halleluka, Kol Aneshama Te Halleluka. Il explique le Rav que tout ce que nous disons depuis Modéani jusqu'à Kol Aneshama Te Halleluka, c'est une échelle, un soulam dont nous montons d'étape en étape, de niveau en niveau, jusqu'à l'expression de la louange de notre Neshama. On commence par Modéani, on poursuit par Elokai Neshama, et on va jusqu'à Kol Aneshama Te Halleluka Halleluka. Shabbat, nous rajoutons une prière spéciale qui s'appelle Nishmat Kol Chai. Parce que Shabbat, nous avons, il y a plusieurs façons comment on traduit une Neshama Yetera, mais en simple, une âme supplémentaire. Shabbat, nous avons deux Neshamot à expliquer, Bezrat Hashem. Et donc, nous avons toute une longue tefila exceptionnelle qui s'appelle Nishmat Kol Chai Tevarech. Et Shimcha Hashem Elokeinu, cette tfila de Nishmat, qui elle aussi est l'expression du summum, de l'extase de la Neshama qui
à adresser ses louanges à Akadosh Baruch Hu. Ce qui est très intéressant, c'est que la Neshama, il faut en parler. On en parle trois fois par jour, au moins, dans les Tfilot, donc comme on l'a vu dans les Brachot, Modéani, Elokai Neshama. Et quand la Neshama te'alelka ha'leluka, Shabbat, on rajoute Nishmat, donc ça fait quatre fois. On parle trois à quatre fois par jour, trois fois en semaine, quatre fois le Shabbat de notre Neshama. Ça veut dire qu'on doit d'abord prendre conscience qu'on a une Neshama. Ça veut dire également que tout ce que nous exprimons durant toute notre filote, de tous les jours, c'est la parole de la Neshama. C'est notre Neshama qui parle. Je sais, on ne sait pas encore ce que c'est la Neshama. Je ne sais pas si on l'expliquera ce soir. Je vous dis, la Neshama, c'est un sujet qui est tellement vaste, qui est tellement riche. C'est la vie de tous les jours, de chaque instant de la vie. Alors, qu'est-ce que c'est ? Et ce n'est qu'ainsi qu'on peut continuer les brachot du schéma, le yotzer, le schéma, et enfin la Amida. Tout ça est basé sur les propos exprimés par notre Neshama. Il y a certes le corps et ses besoins qu'Akadosh Baruch Hu a fait. Il y a le sechel, l'intellect et ses facultés. Et il y a la Neshama. Certains disent que la Neshama, c'est la faculté de la réflexion, de l'intellect. Mais ça va bien plus loin, parce que l'intellect fonctionne même si on n'a pas la conscience de la Neshama. La Neshama, elle fonctionne déjà parce qu'elle donne la vie. À 120 ans, lorsqu'un jouy retire la Neshama, il n'y a plus de vie dans le corps. C'est pour ça que nous avons dit « Amachazir Neshamot Lifgarim Metim ». La Neshama, la nuit, elle s'en va. Il reste un petit peu pour ne pas mourir. Il reste peut-être un 60e de la Neshama. Qu'est-ce qu'elle fait la Neshama la nuit ? Ça, c'est encore une autre histoire. On va essayer d'abord de comprendre qu'est-ce qu'elle fait le jour, lorsqu'on est conscient. Mais plus on est conscient de la Neshama qui est en nous, plus ce que nous disons, notamment dans la tfila, et ce que nous faisons tout au long de la journée, va dans le sens de la Neshama, il est nishmatique. Oui, Akshbrou, il la reprend, c'est ça qu'on a dit dans Modéani, effectivement, Akshbrou, il reprend la Neshama la nuit. C'est pour cela que la Gemara dit que le sommeil, c'est un 60e de la mort. Parce qu'Akshbrou, il prend la Neshama. C'est ce que nous disons dans Modéani. Encore une fois, le matin, on se lève, on dit « Merci Hachem que tu m'as restitué, que tu m'as rendu la Neshama ». C'est-à-dire que la nuit, il a pris la Neshama. Akadosh Baruch Hu, il prend la Neshama. Qu'est-ce qu'elle fait ? Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il fait avec la Neshama ? D'où elle vient la Neshama ? Ce sont d'immenses questions auxquelles on se doit de répondre. Pardon que je ne vais pas y répondre ce soir, parce qu'il y a tellement de questions et de textes dans la Gemara, dans les Midrashim, dans la Midrash et Chazal. Pardon, je cherche un texte pour vérifier quelque chose. Comme j'aime dire, j'étudie avec vous, donc je cherche en direct. Mais, parce que je ne veux pas dire des choses incorrectes. Donc, mes kitsour. Voilà. En simple. Voilà. Et c'est la phrase que je cherchais. Tous les soirs, avant de dormir, nous avons une prière exceptionnelle qui s'appelle Birkat Hamapil, Kriyat Shema Alamita, la prière du coucher. Avant d'aller dormir, il faut prier. Ah, mais j'ai déjà fait Arvit. Ah, mais fais encore une tfila. Un juif, c'est encore et encore. Il ne s'arrête jamais de prier. Et juste avant de dormir, on dit Beyadecha Afkid Ruchi. Padita oti Adonai el Emet. Ce pasouk qui dit, entre autres, Beyadecha avkid ruchi. Avant de dormir,
Je donne mon rouach, mon âme. On va pas rentrer ce soir dans les cinq niveaux de la neshama. Mais je transmets mon rouach, ma neshama, Kadosh Baruch Hu, en dépôt, en picadon. Mais il y a des raf qui drouchi. Vous savez, tout ça s'écrit dans le Rishonim. Ah, le rêve. Il faudra qu'on refasse un shiur sur le rêve. Ce soir, on est dans la neshama. On va pas trop s'évader. Vous avez beaucoup de choses à faire avant Kippour. On va essayer de comprendre, de dire un mot sur la neshama. Encore une fois, c'est une petite saveur, une petite liqueur qu'on va essayer de savourer ensemble. Donc avant de dormir, on dit « Meyadechav kidouchi Hashem, voilà, je te donne mon âme en dépôt et je te fais confiance que demain matin, tu me la rends. » Et c'est ce que nous disons le matin, « Modéani lefanecha shehzartabi nishmati. » Ce qui est très intéressant, donc on peut dire ainsi, c'est que nous commençons Rosh Hashanah, c'est vrai, je ne parle pas de Arvit, mais en tout cas, la première journée de l'année ouvre par la tfila de Modéani lefanecha, on parle l'année Shama. Et c'est écrit dans les Sfarim, dans les Poskim, que le jour de Hoshana Rabba, donc on va dire, on va terminer les fêtes, après la tfila de Hoshana Rabba, on prend la Rava, on la frappe au sol, c'est une takana de Nevim, et il écrit dans les Sfarim qu'il est bien de dire Nishmat Kol Chai. Incroyable. Et Nishmat Kol Chai, comme c'est ramené dans les Sfarim, notamment le Chem Datayamim, je lis ici dans Soukat Sion de Rav Ben Sion Mutsapi, Rav Obadiah Yosef, Alav HaShalom aussi dans Chazon Obadiah, Soukot, page 444, qui ramène le Rav Nahar Mitzrayim, le Vaikra Avraham, le Mirtam, les David, et encore d'autres poskim qui disent que c'est bien de lire à Hoshana Rabba. Donc on commence, Modéani, Sher Zarta Binishmati, et on finit tous ces fêtes par Nishmat Kol Chai. Encore une fois, l'expression de extatique de notre Neshama, Nishmatique. C'est écrit dans les Sfarim que Nishmat, la Gemara, déjà au traité Psachim, à la fin du traité Psachim, elle parle de l'importance de Nishmat. Le Zohar s'est ramené dans les Poskim, le Zohar, il parle beaucoup de Nishmat. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc la Neshama, elle occupe une place depuis le matin, on monte. Modéani, Elokai, quand la Neshama t'alel kaluka, que d'ailleurs ce mizmor, quand la Neshama, on l'a dit dans la tfila de Moussaf, de Rosh Hashanah, Nishmat. Et il faut comprendre, de manière générale, c'est-à-dire si vous voulez la Neshama, il faut la prendre, la Neshama c'est le centre, c'est le cœur, et il y a des rayons. Et il faut comprendre comment il y a des rayons, ça veut dire Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, Hanouka, Purim, Pessah, etc. Le Olam Hazé, le Olam Haba, on a parlé de Triat Hametim. Tout le centre de la vie de l'homme, c'est la Neshama. Et la Neshama, c'est la faculté de la parole. Donc la parole, c'est l'expression de la Neshama. Si la Neshama, elle est éteinte, elle est enfouie, alors c'est le corps qui parle. C'est les tavot, ce sont les désirs, etc. Un juif ne doit parler qu'à travers sa neshama et vivre et tout ce qu'on fait. Donc il faudra expliquer tout au long de l'année. C'est un exercice long, mais passionnant. Si vous voulez, par exemple, quel est le rapport entre la neshama et Hanouka? Quel est le rapport entre la neshama et Purim? Entre la neshama et Pessah? La neshama, il faut la retrouver toute l'année. Alors, elle est où la neshama? Pourquoi parler de neshama? Pourquoi la malchoute d'Akadosh Baruch Hu, c'est l'expression de la Neshama? Et le corps dans tout ça, il est où? Ça, c'est encore une autre histoire. Où il est le gouffre? Comme nous sommes à la veille de Kippour, on va essayer de dire un mot pour comprendre quel est le lien entre la Neshama et la Kapara. Pourquoi? Pour être expié de nos fautes, il faut passer par la Neshama. Alors, il y a une très très grande discussion dans le Midrash. Le Maharal en parle. Est-ce que
La avéra que nous commettons, les avérotes que nous commettons, est-ce que les fautes, les erreurs que nous commettons ne sont dues qu'au corps, c'est le corps qui faute, mais la neshama ne faute pas, ou bien la neshama, elle aussi, elle a ses avérotes. Il y a les avérotes du corps, il y a les avérotes de la neshama. C'est une très grande discussion, est-ce que la Avera ne vient que du gouf ou la Avera elle vient aussi de la Neshama? Très très grande discussion. Certains Mefarshim disent que la Neshama ne faute pas, comme nous avons dit, Elokai Neshama chez Natatami Tehora. La Neshama elle est pure. Mais ça ne veut pas encore dire qu'elle ne faute pas. Quelles seraient les fautes de la Neshama? Qu'est-ce que ça veut dire que la Neshama elle faute? Le Maharal ramène ce Midrash et explique la discussion. Est-ce que c'est toutes les parties de la Neshama qui sont liées à la faute? C'est en soi une grande discussion. Voilà. Ce qui est intéressant, pardon, j'ai pas eu le temps de voir la question, si vous voulez la renvoyer avec plaisir, c'est une très grande discussion dans le Midrash. D'où vient la Avera? Lorsqu'on parle de Neshama, c'est le corps qui abîme la Neshama. Vous dites comme ça, c'est un point de vue, c'est pas faux. Mais vous dites quand même quelque chose d'important. Le Rahaim HaKadosh, il parle beaucoup de ça. Ça veut dire, il y a deux sujets. Il y a, est-ce que la Neshama, elle faute? Et il y a qu'est-ce que subit la neshama, le pgam, on appelle ça le pgam, l'impropreté de la faute sur la neshama. Donc vous dites le corps, il abîme la neshama. Je vous dis, c'est un point de vue, c'est pas faux, mais c'est un point de vue. Les sages nous enseignent au traité Sota, En Adam chote achetikanes boruach. Tout le monde connaît cette Gemara qui dit que l'homme ne commet de faute seulement si un vent de folie l'a pénétré. Il y a un ruach tout qui est rentré en toi. Et ce ruach tout qui est rentré en toi, il a fait que tu fautes. Alors maintenant, comme vous dites, c'est une chita, je vous dis, le Orachaïm parle beaucoup de ça. Maintenant qu'il y a un rouage tout qui vient et que j'ai fauté, donc par le corps, c'est le corps, les tahavot, les désirs, etc. Le corps, il appelle à la faute, à la matérialité, et donc il va abîmer ma neshama. Seulement, il faut comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire ce rouage tout? C'est-à-dire quoi un vent de folie? C'est-à-dire quoi que l'homme il est? C'est-à-dire que lorsque le corps faute, lorsque le corps commet la avéra, c'est pas le début de l'erreur. Le début de l'erreur, c'est le rouach tout. Il y a un rouach tout qui rentre en l'homme, et ce rouach tout, il conduit le corps à la faute. Donc le départ de la faute, c'est pas le corps, c'est le rouach tout. Et comme nous a appris Rabbeinu Yerucham, lorsqu'on fait tshuva, il suffit pas de faire tshuva sur l'action de la avera. Il faut faire tshuva sur le mekor, sur l'origine de la faute. L'origine de la faute, c'est pas le corps, c'est le ruach tout. Et il vient d'où ce ruach tout? Quoi? Il y a du vent comme ça. Il y a un microbe. C'est une mauvaise harmonie entre le corps et le neshama qui provoque la faute. Non plus. La Gemara elle dit pas ce que vous dites. Il y a peut-être un pshat comme ça. J'entends ce que vous dites. Le trouver l'harmonie entre le corps et l'âme, c'est un exercice important également. Ici, la Gemara nous dit, il y a un ruach tout, il y a un vent de folie qui est rentré dans toi. Et ce ruach tout, il fait que le corps commet la avéra. Maintenant, on veut faire tshuva et on demande à Hachem le pardon. Alors, on ne va pas nettoyer seulement des actes et des faits.
La tshuva, c'est revenir à la source de la avera. C'est quoi la source de la avera? C'est le Ruach Shtout. Mais il vient d'où ce Ruach Shtout?